Oh là là, la chaîne de rediffusion, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Parce que je suis un giga feignant et qu'il y a trop de matchs de foot le soir. Et que ce soir, c'est le seul match, c'est le seul soir où il n'y a pas de match de foot. C'est quand même assez dingue. Du coup, on va commencer petite ouverture de Selection Box pour perdre de l'argent bêtement et essayer d'avoir le livre de la lune. Et si j'en ai un, c'est la fête. Si j'en ai pas un, je prédis que j'aurai genre Baliste, qui est la seule carte avec Divac. Ou alors non, encore plus drôle, que j'ai Diva alors que je l'ai déjà en x3. Ça serait quand même vachement drôle. Vas-y, go. Est-ce qu'il y a de l'argent sur Steam? J'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Steam, il va me dire quoi? Ajouter des fonds. J'en peux déjà plus. J'attends ma paye pour la Selection Box. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à... Je sais pas jusqu'à quand elle reste, les Selection Box, en vrai. Je sais pas du tout. Parce que en vrai, là, elle reste le temps du KCGT. Ou alors elle jarte dans une semaine, tu vois. J'en sais rien. Donc maintenant, ça prend 10 milliards de temps pour Steam, là, parce qu'il faut faire des codes et tout. Aïe, aïe. Le 31, elle part? Ok. Ça, je ne savais pas. Confirmé. Au moins, moi qui me plaignais avant que Steam, c'était pas sécurisé, au moins, maintenant, c'est sécurisé, quoi. Au moins. Plus personne ne pourra me voler mon compte. C'est le premier booster. Est-ce que nous allons être gâtés? Enfin, surtout moi, en fait. Donne-moi, je ne sais pas... Juste Livre de la Lune. Si tu me donnes Livre de la Lune, je m'arrête là. Voilà, c'est dit. You say, donne-moi la méga chance. Bon, alors ces cartes-là, on en a rien à foutre. Elles ne sont pas intéressantes. On les a déjà. Fusion magicalisée, m'en fous. Collecteur robot, m'en fous. Lien bête spirituel, m'en fous. M'en fous. Canahawk. Mais... Ah, mais j'ai pas envie, moi, de jouer bête spirituelle, quoi. Bon, c'est Canahawk pour le premier booster, ok. Après, je ne l'avais qu'en une seule fois, maintenant, je l'ai en deux fois. Je vais pouvoir être le génie bête spirituelle, bien sûr, même si je ne le jouerai pas. Comment ça, il y a encore... Oh non, mais le jeu veut que je dépense trop de... Je pensais qu'il y avait que deux offres. Ah, bah du coup, ouais, 4,49€. Du coup, on va pas déconner. Si je peux économiser un peu, vas-y, ajouter des fonds. Mais attends, faut que je le fasse à chaque fois. J'ai pas envie d'ajouter 25 balles de suite, moi, hein, vous savez. Je suis pas comme ça, moi. Le portefeuille souffre. Aïe, 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 c'est vrai. C'est vrai. Le mois YouTube qui part dans la Selection Box, bon, quand même pas. Pas déconner. Vas-y, Red Shadow Legend, j'espère que vous êtes content de m'avoir payé, vous me payez pour ça. Donc je trouve que c'était une belle OP pour faire ça. Vas-y, go. Hop. En vrai, il faudrait une option pour te dire, genre, t'achètes une fois, tu mets le code au début, et après, sur le même site, dans l'heure qui suit, tu me remets plus le code. Ça serait plutôt pas mal, ça. Bon, deux packs. Pas de troll SVP. No trolling. Unuaire. Vas-y, je veux juste que ça soit une UR verte. Ah, quoique, attendez, il y a le truc des abysses. Une UR verte, mais avec un livre. Je veux lire ce soir. Je veux apprendre des choses avec un livre, s'il vous plaît. Vas-y, go, on s'en fout. Manipulateur de niveau, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Rival Tribal X6, quoi. Les monstres X6 face recto sur le terrain avec minimum de matériel X6 ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Après le calcul des dommages, si un monstre X6 que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire, détruisez le monstre de votre adversaire. C'est de la merde, j'en ai rien à foutre. Je l'avais pas mais je m'en fous. Ok, c'est l'heure du gigatroll, c'est maintenant. C'est maintenant, le livre coûte si cher. Ah voilà, imaginez maintenant ceux qui l'ont en x3. C'est des ouf un peu. Vas-y, je m'en fous. Bon. C'est la carte. Ça va être n'importe quoi. Ah, Lancea. C'est mitigé. C'est mitigé parce que je l'ai pas. Donc, c'est quand même une hand trap. C'est une staple, Lancea Artefact, qui peut servir. Bon, maintenant, elle sert un peu moins en ce moment, quand même. Elle a eu son heure de gloire à un moment donné. Mais bon, quand même extrêmement mitigé, quoi. Extrêmement mitigé de cette lancée, quoi.
Ah, est-ce que je fais le con? Est-ce que je fais le con à aller plus loin? Ah, ça coûte. Attendez, ça va coûter combien? Vas-y, nique. Tout pour le livre de la lune. Go faire le con, bien sûr, évidemment. Mais vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit que pour la box Mechlord, je dépenserais quasiment rien. À part pour la draft. Je dépenserais que pour la draft. Donc du coup, vu que j'économise pour la prochaine box, je peux dépenser dans cette selection box. C'est ma manière de réfléchir, bien sûr. Et là, imaginez, je mets quand même 90 balles dans la box Mechlord. C'est impossible. Impossible. Jamais je mets autant dans la box Mechlord. Vas-y, go. Vas-y, go. De toute façon, je vais pas l'avoir, je le sais très bien. Je vous l'avais dit dès le début que c'était de l'arnaque. Je vous l'avais dit. Donc, maintenant, en fait, c'est pour vous montrer ce que c'est que le gacha. Un gacha, c'est ça. Ça vous fait croire des choses. Ça vous fait mettre de l'argent dans des trucs virtuels et au final, vous êtes déçus. Donc, faites très attention aux addictions envers les gachas. Voilà. Tandis que moi, je suis en train de vous montrer les mauvais comportements. Allez, go! Go pour, je ne sais pas moi, des cartes fortes. Des vraies cartes. C'est après celle-là. Mais par contre, ça sera une SR, non? Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, Mandragora, colonie du mal, quoi. Aïe. Tu vas pas aller avec les gemmes. Ah non, moi mes gemmes, je les garde. Je les garde pour la main box, pour la mini box, parce que je compte la mini box la faire avec toutes les gemmes. Aïe 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 aïe, caramba. C'est vraiment de la merde. Vas-y là, c'est Nuer. Vas-y, c'est bon, c'est Nuer. Qui ne faut artefact? Ok mec, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que structure psy? Epsilon. Ok. Bouffon, jongleur. Ok. Jeton Beaumeau. Ok. Tortue ovni. Nul. Cam nul. Renard feu. Est-ce que les joueurs de Budjin vous jouez cette carte? Est-ce que les joueurs de Budjin vous jouez Amaterasu? Dites-moi tout, dites-moi si je peux me taper de la tête contre le mur. Je l'ai pas, non. Ok, nice. Je peux pas dire. Bon, on verra bien. Elle est bien lui, hein. On verra bien. Moi, vous savez, de toute façon, je comptais jouer Budjin à un moment donné. Donc, je la mettrai. Et les gens vont rager, vont se dire, oh là là, tu as eu Amaterasu, quoi. Oh là là, trop bien. Alors que ça se trouve, je m'en servirai jamais. Merci du follow, Aiden 55. Œil de monstre. Encore un artefact. Vas-y, ça, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout, là. Ok. Là, il y a eu les trois Kuribos, je crois. Il y a eu les trucs du R. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh, nique ta race. J'ai Kanaouk en x3. Je vais être obligé de jouer bête spirituelle un jour, quoi. Puisqu'il me force, quoi. Il me rend fou. Il me rend fou. J'ai. Putain de merde, quoi. Au moins, il aurait pu me donner la grue Budjin, là, au moins. Mais non, il me donne un autre Kanaouk, quoi. Et bordel, quoi. Ça coûte 8 euros. Bon, vas-y, donne-moi. Oh là là. Oh non. Oh là 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 là. Mais ça veut dire c'est de la merde, ça. Ça veut dire c'est de la merde. J'ai même pas envie de regarder. Je regarde même pas. Enfin, si, je regarde un petit peu quand même, parce que ce serait con de rater, quoi, mais. Une Prisma qui tombe. Et là, le livre. Bon, on va voir. À votre avis. Non, ça peut pas être le livre. Arrêtez, ça peut pas être le livre. Vas-y, au moins, donne-moi la grue. Ou l'Espracesse Sylvan qui peut servir. Au moins, donne-moi ça, tu vois. Go! Et c'était bien une UR et c'est Gadget d'or, mais tout seul. Aïe, aïe, aïe. Mais le Gadget d'or, je sais qu'il y a un deck qu'on peut faire avec, mais il en faudrait plusieurs avec un x1, c'est de la merde. Gadget d'or, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah bon, bah, c'est Selection Box, hein, comme je vous l'avais dit. C'est de l'arnaque, bah voilà. Bah voilà. N'achetez pas les Selection Box. Et c'est ce qu'on pourra retenir ce soir. Oh là là, mais en vrai. Putain, il aurait pu me donner, tu vois, une deuxième interruption de Raigeki. Il aurait pu me donner.
Même un deuxième Zephyros, tu vois, je prenais, tu vois, même si je joue pas le deck noir. Même il aurait pu me donner ça éventuellement. Ah bon, bien sûr, il aurait pu me donner ça. Non, non, pas encore une offre. Oh là là, non, non, non. 10 euros, vous avez cru, je suis pas richissime ici. Hein. Voilà, ici, pas de ça. Bon, il m'a même pas donné la grue. Mais j'ai juste 3 Kanahawk, c'est tout ce qu'on pourra se dire. C'est tout ce qu'on pourra se dire. J'ai maintenant 3 Kanahawk. Yes!